Avec un plan plus. Ouais, c'est un plan là. Je pense que c'est mon plan. Je vais donner l'avance si je ne regarde pas dans les yeux. Parce que ma caméra est pointée vers moi. Ouais, très basse. Tout ça, donc ça va plus te donner l'impression que je regarde directement dans vos yeux. Donc, petite vidéo à l'arrache que j'ai envie de vous faire. Une vidéo que zéro planifié, zéro préparé. Juste comme ça. Donc, c'est le point que je dis sort tout croche. Mais je vais essayer du mieux que je peux. Que ça sorte de façon claire, précise et que j'ai pas de commentaires, peux-tu répéter? Mais si tu peux, j'en ai. Je suis conscient. Donc, ça fait environ 4 semaines, précisément un mois, que vous voyez des TikToks sur ma chaîne. De façon répétitive. Donc, ce que je dis par répétitif, c'est en quantité. C'est-à-dire que ceux qui utilisent depuis le début, vous comprenez que. Je mets des TikTok lorsque une vidéo me prend trop de temps à monter ou tout simplement quand j'ai un breakdown d'idées, donc j'ai un manque d'idées de vidéo, mais je mets des TikTok afin de me ressourcer, de me reposer, afin d'avoir une idée pour comme vidéo que je pourrais tourner et vous montrer. La dernière vidéo que vous avez vue qui a été travaillée, que vous avez vue vu, sur TikTok a été Je note les films de l'univers Conjuring. C'était la dernière vidéo, après ça, les TikTok ont enchaîné. Je tiens à dire que de façon temporaire, jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. J'espère pas trop longtemps parce que ça fait un mois déjà que j'ai vu les TikTok et un mois que je pense que vous cherchez une explication et que vous ne trouvez pas et que vous attendez que j'en donne une. Je ne peux plus tourner les vidéos. C'est vraiment parce que mon téléphone cellulaire, mon portable est mort. Pas dans le sens dans lequel je dois simplement le brancher afin qu'il ait de la batterie. Non. Dans le sens qu'il est brisé à l'intérieur. Il y a une pièce à l'intérieur du téléphone qui est brisée, qui ne permet plus de charger mon téléphone, qui est principalement la cause de mon écran. Parce que mon écran, à la base, ça commence avec des problèmes d'écran. Simplement que l'écran est noir pour des raisons obscures que je ne sais pas. Que j'ai moi-même du mal à comprendre et je crois que c'est à cause de ça. Plusieurs problèmes également, plusieurs soucis avec les téléphones. Guys, c'était un iPhone 7, donc premièrement il était vieux aussi, donc il était très vieux. C'était un très très vieux téléphone. Donc je peux pas vraiment comprendre ça, mais je pense que c'est un bruit à l'intérieur. Et je sais peut-être que vous allez me dire, ah oui, tu peux le faire réparer. Non. Pas la pièce en tant que telle. Pas la pièce. Elle est terminée. Mon téléphone il est irréparable. Je suis l'obligation de avoir un autre téléphone. Est-ce que moi je suis parti? Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a des titres prochains. Et ça va jusqu'à nouvel ordre. Mais ne vous arrêtez pas, en fait, il n'y aura pas seulement des TikTok, mais bien deux autres nouveautés sur cette chaîne qui vont être permanentes. Je crois, si ça me tente, sûrement, mais j'espère que c'est permanent. Des projets vidéo, exemple des montages photos que je fais parce que ben, je me pratique là-dessus. Je me pratique comment faire et ce serait bien que j'en sorte sur ma chaîne, justement. Et des lives YouTube. Donc oui, guys, vous avez entendu, je vais faire des lives sur YouTube très prochainement. Donc, et ça, c'est permanent. Donc ces deux nouveautés-là sont permanentes. Mais les TikTok enchaînés, c'est temporaire. Après ça, je vais revenir à la bonne formule d'une vidéo par semaine. Chose que j'ai déjà d'habitude avec les TikTok, donc j'ai plus d'une vidéo par semaine. Mais les TikTok enchaînés vont arrêter une fois que je vais avoir un nouveau appareil pour finir. Donc un nouveau portable. Donc un nouveau cellulaire pour ceux qui ne peuvent pas encore. Donc j'espère que je vais comprendre là-dessus. Donc, mais les lives, je vais les faire sur lundi et je vais pouvoir chatter avec vous autres. Et principalement, t'as fait des petits jeux, exemple un jeu que tu préfères. J'ai déjà prévu faire un jeu que tu préfères avec vous. Donc, comment ça va continuer, c'est que je vais vous demander des dilemmes en commentaire dans le chat. Posez-moi vos dilemmes, exemple tu préfères 1-1-1 ou 1-1-1. Et moi, je vais être obligé d'y répondre. Si on sait pas ça, c'est très malade. Et c'est pas moi aussi qui a juste des lives pour juste parler. Et voilà. Donc, comment savoir que je s'en aille tout simplement, mais vous devez être abonné à ma chaîne et activer la notification.
Et une autre chose aussi également, pour ceux qui ne suivent pas sur YouTube et qui veulent regarder mon live, forcément, si vous voulez regarder mon live, vous abonnez aussi, si vous êtes notifié à chaque fois. Ou sinon, tout simplement, venez me suivre sur Instagram en story. Donc, chaque fois que je poste une story, vous allez savoir quand est-ce que je suis en live et quand j'en ferai un, parce que je vais vous avertir une semaine ou quelques jours plus tôt avant le live. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Donc, je sais que la vidéo est courte, elle est d'une très courte durée, ça m'énerve pour vrai, c'est pas croyable pour vrai. Moi, je me fasse regarder là. Et, dès que je vais un nouveau portable, les vidéos vont reprendre comme un fou, je vais pas arrêter. Je vais vous retourner, j'ai plusieurs vidéos qui sont sur mon ordi dans un petit document, sur un petit document, sur l'ordi. Donc, je pense que vous connaissez tous les nouveaux documents. Donc, j'utilise ça pour écrire mes vidéos. Le focus de la caméra, qu'est-ce que c'est ça? J'écris mes vidéos là-dessus et ça m'aide. Donc, croyez-moi, quand même que je ne vais donc, je vous jure sur ma vie. Lorsque je me prépare, je m'en mets là-dessus et croyez-moi, je vous sors des vidéos assez folles. Parce que ça ne tente pas de relaisser la chaîne morte comme je l'ai fait il y a 2 ans auparavant. Je dirais peut-être même quasiment 3 ans auparavant. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai laissé ma chaîne morte de janvier à août, je pense, de janvier 2018 ou 2019, je pense, même pas. Je pense 2019 ou 2018. Quasiment un an de temps, pas mal en fin de l'été, et ça m'a vraiment fait des réflexions graves sur la chaîne. Je mettais des vidéos avec un écran noir. Pour ceux qui savent de quoi je parle, vous allez voir, descendez. Vous allez comprendre très rapidement de quoi je parle et ça tente pas de faire ça. Donc c'est pour ça que je mets des TikTok, je vous divertis. Mais là je voyais que les vidéos baissaient à la vidéo et je me suis dit qu'il y a fait une vidéo d'explication pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Donc je pense que vous allez comprendre ça et que vous allez pas être fâché. Vous allez le comprendre. Bon voilà, je pense que ça vous fait du bien. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc, c'était Black, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Vous allez utiliser une notification pour que je vous sorte une nouvelle vidéo. Les résolutions en description. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo, prochain TikTok, ou en live sur la vidéo. Bon, les habitants. Et donc, n'oubliez pas, chaque vidéo, même les TikTok sortent à la même heure. Donc, le vendredi à 8h à l'heure du Québec et 14h à la France. Donc, sur ce, guys, portez-vous bien, je vous aime fort. Ciao!